La reconstruction de ce revêtement de la route 117 entre les kilomètres 386 et 398 et la route 109 entre la halte routière de La Motte et Amos sont entre autres prévues. Windsome Resources conclut une entente exécutoire de 52 millions de dollars avec Storner Wood Island, l'ancien propriétaire. Val-d'Or embauche une firme spécialisée pour y analyser le potentiel en eau potable. Rejetant la pression de Glencore sur le milieu culturel, la direction précise que la charge de travail imposante a eu raison du festival. La liaison Val-d'Or-Montréal existait depuis le printemps 2021.